Salut, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont présents pour Apéro Conversation de ce samedi 30 janvier. Alors, écoutez, avant je faisais ça à 19h et j'ai voulu ramener ça à plus tôt à cause des gens qui sont en Europe et qui sont en Afrique parce que avant c'était à minuit. Ensuite, et c'était à 2h du matin en Europe. Et là, on a dû ramener ça à 17h, heure de Montréal, ce qui fait 22h et minuit là-bas. Mais le travail, des fois, est tellement intense qu'on n'a même pas le temps de finir. Et donc, à chaque fois, je suis là en train de mettre des points encore sur le document parce que, bon, c'est bien de vouloir improviser, c'est bien d'arriver, de vouloir faire les choses spontanément, essayer de se faire confiance quand même un peu parce que ce sont des sujets qu'on étudie depuis, en tout cas depuis quelques années, parce qu'avant de venir sur Apéro Conversation et commencer à partager un peu de ces notions-là, ben il a fallu qu'on fasse des expériences, qu'on connaisse, en tout cas qu'on fasse des expériences, qu'on traverse certaines situations de vie qui nous ont formés, formatés. Mais en tout cas, c'est vrai, difficile, c'est un peu difficile des fois, mais il faut toujours avoir des notes. Parce que même l'improvisation, la bonne improvisation, elle se prépare. C'est ce qu'on enseigne dans l'art de prendre la parole en public. Alors, vous allez partager la vidéo parce que le sujet du jour, c'est les voies de l'élévation. Et nous avons un point d'information, un sujet beaucoup plus politique. Pour ceux qui aiment parler politique, on va parler politique une bonne partie de cette émission. On va se poser la question, est-ce que la jeunesse africaine doit s'engager en politique? Est-ce que la jeunesse africaine doit s'engager en politique? Donc, on va travailler tout ça. On va faire tout ça en musique. On va s'amuser quand même parce qu'Apéro Conversation, c'est aussi des discussions sérieuses, c'est des discussions sur des sujets des fois complexes, mais on essaie d'amener ça avec un peu plus d'entrain, un peu plus de joie, de musique, pour que ça passe facilement. Parce que, comme on le sait, les adultes ont des préoccupations, ont des soucis, on ne peut pas les former, leur enseigner quelque chose si on n'essaie pas d'amener ça avec
avec une méthode très flexible. Donc, alors, on va écouter de la musique. On va écouter Assou et Sevi pendant que vous partagez cette vidéo dans, sur vos profils et dans les groupes. Merci d'être là. Et monsieur Harold Codard, merci de confirmer que tu vas participer là. Confirme dans les commentaires. Mettez ce que vous buvez. Je suis toujours à la bouteille de Géraldine. Aïe, 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 j'ai pas mon verre. Je vais chercher mon verre. Ça démarre. C'est mamie José qui nous trahissait. Mamie José, oui. Mamie José, mamie José, oui. Mamie José, mamie José, oui. Bah. Mamie José est une adaptante. Allez, doucement, doucement, doucement. On va y aller doucement aujourd'hui. Elle raconte même ce qu'elle ne voit pas. Salut, salut à tout le monde. Salut Pierre, salut Camille. Attention, j'arrive. Pourtant c'est elle qui nous a saboté. Mamie José, oui. Mamie José, mamie José, oui. Mamie José, mamie José, oui. Touka, touka, touka. Oh, ça signe. Touka, touka, touka. Ah, va sauter. Hey. C'est pas tout ce que tu vois que tu dois raconter. Mamie, tu vas me gâter. Dédicace aux jumeaux. Devant nous, derrière nous, devant nous, derrière nous. Sassi, sassi, sassié, maman les que des temps. Sassi, sassi, sassié, maman Kumbusa. Sassi, sassi, sassié, maman les que des temps. Sassi, sassi, sassié, maman Kumbusa. Salut Monsieur Senaya. On met les cœurs, on met les cœurs. Voilà, on va démarrer cet apéro conversation de ce jour avec le point d'information. D'abord, pour faire une petite précision, c'est à la suite du live de samedi dernier où nous avons
réfléchit tous ensemble autour des différents visages, des multiples visages de Dieu, que tous les commentateurs ont appuyé la requête de Fabrice Aboussa qui a demandé quelles sont les voies de l'élévation. Et donc, nous y voilà, ce jour nous allons parler des différentes voies de l'élévation. Mais avant cela, le point d'information sur la question « La jeunesse africaine doit-elle s'engager en politique ?» Une vidéo d'Alain Foka, journaliste camerounais qui officie sur Radio France Internationale depuis 1994, écume les réseaux sociaux depuis près d'une semaine. Dans cette vidéo, Monsieur Foka, Alain, Monsieur Archives d'Afrique, le débat africain, se présente entièrement, mettant en avant son expérience de défenseur de la cause africaine de l'Afrique, et il dénonce les idées qui ont détruit et détruisent encore l'Afrique. Les idées comme le diable est noir, comme Dieu est blanc, comme l'homme noir ou l'homme africain ne vaut rien, et toutes ces proliférations d'idées qui ont construit le narratif africain et qui se perpétuent, il les a dénoncées. Et il appelle à changer ce narratif-là sur l'Afrique pour mettre en avant les valeurs traditionnelles africaines afin de changer le visage du continent noir. D'abord, dans cette vidéo, nous nous sommes retrouvés, nous, Apéro Conversation, nous tous qui nous retrouvons tous les samedis sur cette page pour échanger sur ces fausses idées-là qui ont construit l'imaginaire africain, la conscience africaine, qui a été formaté avec des faussetés. Nous les dénonçons depuis presque un an maintenant. Et donc, on a été conforté qu'un grand frère, qu'une personnalité quand même des médias africains, Alain Foka, puisse nous encourager à continuer de faire cela, à continuer de démontrer par quels moyens est-ce que la conscience africaine a été désorientée et dire les choses comme il faut pour que les consciences s'éveillent. Alors, de là, il lance un appel à la jeunesse africaine pour que celle-ci s'engage en politique pour changer les choses. Il admet clairement l'échec des générations passées, génération dont il fait partie, je pense qu'il a 56 ans, et il dénonce cet échec, lui qui connaît si bien la politique africaine et les politiciens africains. Il y a des esprits qui tournent dans la maison. Ça fait tomber les assiettes. Bref, merci d'être là. Avec vous, grâce à vous, on va faire un apéro conversation qui va être excellent. Donc, lui qui connaît si bien la politique africaine, les politiciens africains, pour en parler, pour aller chercher des archives, pour décrire ce qui s'est passé à certaines époques où nous n'étions pas nés, l'époque des indépendances, des décolonisations, il va aller fouiller dans les archives pour parler de l'Afrique telle que nous ne la connaissons pas, cette Afrique. Il connaît la politique africaine, il reçoit des personnalités africaines et il pense que toutes ces bandes de gens ont échoué et qu'il faut maintenant que la jeunesse africaine prenne le relais. D'abord, un petit aveu. Avant, je n'aimais pas trop son nom, Alain Foka, parce que c'était un peu trop proche pour moi de Jacques Foccart. Et je trouvais que pour travailler sur RFI, qui est quand même un outil de propagande pro-française, pro-néocolonialisme et tout ça, c'était un peu bidon son affaire. Mais j'ai aimé l'approche dans sa vidéo où il a admis leur échec et il a invité les jeunes à s'engager en politique. Ma question, c'est de savoir, est-ce que la jeunesse africaine doit s'engager en politique? Mais certainement, comme toute jeunesse, force vitale d'un État, l'engagement politique est une nécessité, sinon une obligation. Les statistiques en Afrique sont formelles. Les jeunesses africaines, c'est entre 60 et 80% de la population. Quand on va chercher entre là on parle des 15-35 ans, et quand on va chercher ceux qui sont en âge de voter, c'est-à-dire au-delà de 18%, on peut vaciller entre 70 et 80% qui ont plus de 18 ans. Les statistiques disent qu'en 2050, 35% des jeunes
dans le monde seront africains. Là, nous sommes plus de 7 milliards, sinon 8 milliards. Mais on dit qu'en 2050, 35% des jeunes dans le monde seront africains. Alors, si actuellement 60% des Africains ont moins de 24 ans, qui doit s'engager en politique sinon elle? Mais qu'est-ce que la politique? Quelle est cette idée de la politique que nous avons ou de quoi parle exactement Alain Foucault? On s'est posé la question et puis on est allé chercher, c'est la définition banale qu'on connaît de la politique, c'est-à-dire l'art ou la pratique de gouverner les sociétés humaines. Est-ce que c'est de ça que Alain Foucault parle? La gouvernance de la cité, la politique donc, du grec polis qui veut dire cité. On invite aujourd'hui les jeunes Africains à s'engager en politique pour devenir ceux qui décident de comment la société doit fonctionner. Les sociétés humaines ont besoin d'ordre, d'organisation, ont besoin d'assurer la paix, l'harmonie et le bien vivre ensemble. C'est important. Et c'est là le rôle de la fonction politique. Il va sans dire que la force principale de la population doit s'impliquer. Et en Afrique, la force principale, c'est la jeunesse. C'est là l'appel d'Alain Foucault, vous les jeunes Africains, parce que moi j'ai 40 ans, je ne peux plus me considérer comme un jeune. Mais vous les jeunes Africains, vous devez vous impliquer en politique. Et la question est, comment devez-vous vous impliquer? Je pense que lorsque vous sensibilisez les autres au bienfait de la justice, de l'ordre ou de la démocratie, lorsque vous participez sur des pages à des réflexions collectives sur qu'est-ce que la constitution d'une société, comment aborder les élections, ou même lorsque vous sensibilisez les autres sur des thématiques comme l'alphabétisation ou comme l'autonomisation de la femme, lorsque vous vous impliquez de différentes manières, vous faites de la politique. Lorsque vous relayez des informations utiles aux autres, vous faites de la politique parce que dans le relais de ces informations-là, sur vos pages, Facebook ou peu importe, vous participez à l'éducation collective. Et l'éducation collective, c'est important parce que c'est de cette éducation-là que va naître l'organisation, l'ordre, la paix et la justice que nous appelons tous de nos voeux et que Alain Foucault demande à la jeunesse d'embrasser. Je me rappelle une anecdote à une certaine époque de ma vie, je pense qu'on était en 2014, où je travaillais à la présidence de la République togolaise et je travaillais avec un ministre conseiller et il y avait une ministre influente à l'époque qui trouvait que je travaillais très bien et qui s'intéressait beaucoup à mon implication, qui voulait que je m'implique davantage, mais en clair, qui voulait que je fasse partie de son écurie. Et donc, elle a manifesté tout de suite, elle voulait vraiment que je participe à tout et à plein de choses. Et le ministre conseiller m'a appelé, me dit, bah, tiens, la ministre là, elle a beaucoup d'influence, elle tape beaucoup à la bonne. Si tu restes dans ses bonnes grâces, tu vas avancer très rapidement. Moi, j'avais pas... Moi, à l'époque, ces affaires d'écurie, je m'en méfiais. Parce que il faut savoir que dans les cercles de pouvoir, quand tu rentres dans une écurie, ça veut dire que tu es en opposition avec les autres, des autres écuries. Et moi, je n'étais pas là pour ça. Parce que moi, ce qu'on me demandait, ce n'était pas une implication partisane, mais c'était un travail sur les stratégies de communication. Mais je savais que c'était un rôle politique. Et ça ne me dérangeait pas parce que quand tu travailles à la communication d'un État, d'un gouvernement ou même d'un chef d'État, tu fais de la politique, que tu le veuilles ou non. Et donc, quand le ministre conseiller m'avait demandé de rester dans les bonnes grâces de cette dame-là, moi, je lui ai répondu, monsieur le ministre, il y a des gens qui viennent en politique pour se servir et d'autres qui viennent pour servir. Et que moi, je suis résolument de la seconde catégorie. J'étais un peu naïf à l'époque, ok, je l'admets. Ça ne lui a pas plu. Donc, tous les événements qui ont suivi m'ont fait comprendre que je n'aurais pas dû lui répondre ça, mais j'étais sincère. J'étais tellement sincère. Et je sais que mon parcours, peut-être qu'un jour on aura l'occasion d'en parler, j'ai refusé des choses parce que je ne voulais pas
me compromettre. Déjà, je travaillais là-bas, mais j'avais une certaine liberté de penser, une certaine liberté de parole sur mon blog, et beaucoup de textes que j'avais écrits à l'époque m'ont créé beaucoup d'inimitié. Je me rappelle un texte qui est toujours sur mon blog qui s'appelle Le quinquennat de la jeunesse, où j'invitais le chef de l'État à l'époque qui se représentait à consacrer beaucoup plus d'énergie et de considération à la jeunesse. Et je disais, effectivement, je parlais déjà des statistiques de la jeunesse, je disais, vous ne pouvez pas avoir un pays où 60% de la population est jeune et le ministère de la jeunesse et de l'emploi des jeunes va être dans un ministère de développement à la base et tenu par une directrice de cabinet d'une présidence de la République, ça faisait trop. Et que malgré toute l'implication que je connaissais à cette dame-là, toute sa capacité de travail, cette thématique principale qu'était la jeunesse allait fatalement être réduite et ne pas être mise en avant. Et qu'il était important qu'on ait un ministère plein de la jeunesse et de l'emploi des jeunes parce que il faudrait que cette thématique soit une thématique sur la table et qu'on parle à cette majeure partie de la population. J'ai appris après qu'on m'a accusé à l'époque d'avoir voulu être ministre de la jeunesse et tout ça, et que c'est pour ça que je disais ça. Mais moi, cette façon de voir la chose ne date pas d'aujourd'hui. Je me rappelle, et ceux qui me connaissent depuis, je pense que j'invite Fabrice Aboussa à témoin, que déjà en 2005, bien avant 2005, bien avant la mort d'Yadema, j'avais organisé pour son dernier 13 janvier une nuit de la paix et je devais le rencontrer. La phrase que je voulais lui dire, c'est que, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas écouter des gens qui sont nés dans les années 50 et 60 vous parler des problèmes de la jeunesse. Vous devez avoir quelqu'un qui parle à la jeunesse dehors, qui comprend les jeunes dehors, qui parle leur même langage, qui vous dise ce qu'il y a à faire pour que ça puisse marcher. Mais si vous prenez des gens qui ont eu leur jeunesse dans les années 70, ils ne pouvaient pas comprendre les défis qui s'imposaient aux jeunes des années 2000. Bien plus tard, bien avant même que je n'entre à la présidence de la République togolaise, en 2011, j'avais fait un talk show que j'appelais Samedi Talk Show. Il y a quelques épisodes encore sur YouTube, si vous pouvez aller regarder. Et on a fait une émission 1, 2 qui avait du succès. Et la troisième émission a été censurée claire et nette. Pourquoi? Parce que le thème était la jeunesse. On a invité des gens à venir s'asseoir pour discuter de la jeunesse, des besoins de la jeunesse. À l'époque, déjà, on parlait d'éducation, de formation et d'emploi. Mais les thématiques de ces organisations-là qui travaillaient pour la présidence, il y avait le conseil, le Haut Conseil de la jeunesse, ça s'appelait, c'était de parler de civisme, de parler d'environnement. Et je dis, mais les jeunes ont besoin d'avoir une bonne formation, une bonne éducation et de trouver de l'emploi. Ils vont aimer leur pays, protéger leur pays, défendre la patrie, la devise ou l'hymne national, quand ils comprendront que ce pays-là est en train de fonctionner pour eux et pour leurs enfants, pas avant. On ne va pas commencer à aimer un pays qui ne nous apporte rien, un pays où l'ascenseur est bloqué, où la corruption est de mise et la médiocrité est mise en avant. Et tout ça avait été censuré. Moi, j'ai perdu de l'argent dans cet investissement. Et il y a eu tellement ces histoires-là. Moi, je parle de ça depuis longtemps. Donc, pour revenir au sujet de ce jour, tout ça en fait pour vous dire qu'en politique africaine, les gens se servent plus qu'ils ne servent. Les gens viennent, s'impliquent parce qu'ils veulent des titres, ils veulent des postes et ils ne se contentent qu'à servir. Les configurations actuelles ne favorisent justement que ça et c'est ça qui est malheureux. Je suis donc d'accord avec Alain Foucault quand Alain Foucault parle de. Alain Foucault parle de, comment on appelle ça? Oui, Fabrice se rappelle du fauteuil, oui. Cette histoire de fauteuil, là, j'en ris encore aujourd'hui. Bref. Donc, j'admets avec Alain Foucault l'urgence d'un changement générationnel dans la politique africaine, le nécessaire avènement d'une autre manière de penser et de faire la politique en Afrique. Mais laissez-moi vous donner les raisons pour lesquelles la jeunesse africaine d'aujourd'hui est loin, très très loin, de satisfaire à ces exigences-là.
Je vais vous jouer une chanson que vous connaissez certainement. En attendant de... Oh. On va certainement que vous connaissez cette chanson. En attendant de revenir pour que je vous explique les raisons pour lesquelles cette jeunesse africaine d'aujourd'hui est loin, très très loin du compte. Buvons à la santé de l'Afrique. Harold, il faut que tu me dises si tu interviens. Pas sérieux. Est-ce que Fabrice peut dire un mot? Alors, cette chanson de Fifi Raffia Tou, elle a eu beaucoup de succès dans les années 90 parce que tous les combattants de la démocratie à l'époque, ces jeunes qui sortaient dans la rue pour réclamer plus d'équité, plus de justice dans la gestion de la chose publique, chantaient cela parce que ça leur permettait d'avoir espoir que tout ça allait finir. 30 ans plus tard, on est toujours dedans, mais on verra. Pourquoi est-ce que la jeunesse africaine actuelle, telle qu'elle est, ça va être très 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 compliqué qu'elle arrive à satisfaire à la demande d'Alain Foucault de s'impliquer en politique? Première raison, les dés sont pipés. Les visions sont tronquées et la corruption trop importante. Tout est fait dans les pays africains contre l'épanouissement sain de la jeunesse. La culture de la médiocrité. C'est-à-dire que vous avez des pouvoirs qui n'ont pas de légitimité et qui vont vouloir rester au pouvoir malgré tout. La meilleure façon de fonctionner, c'est de s'entourer de gens qui n'ont pas de compétences mais auxquels on donne des postes de responsabilité et qui sont prêts à tuer père et mère pour rester à ces postes de responsabilité, justement parce que c'est juteux. On fait la chasse aux jeunes qui réfléchissent différemment. Dès que vous commencez à avoir une approche différente de la chose, que vous refusez la corruption, on vous fait la chasse tout de suite. La persécution des bonnes consciences. La pensée qui est autorisée, c'est celle qui favorise le pouvoir en place, celle qui maintient le système qui existe en place. La pensée différente, la pensée... autre que celle qui favorise le système en place est persécutée. Et l'ascenseur social est bloqué ou ne sert que les gens qui sont corrompus ou issus des cercles corrompus et corrupteurs. Il n'y a pas en Afrique d'élévation, on va parler d'élévation aujourd'hui, mais il n'y a pas en Afrique d'élévation sociale qui ne se base sur la corruption ou sur le silence coupable.
si vous voulez avancer en Afrique, soit vous vous corrompez, vous vous laissez corrompre, ou soit vous vous taisez sur ce qui se passe, parce qu'à partir du moment où vous commencez à dire les choses différemment, vous êtes indexé, persécuté, chassé, banni. Je me rappelle une expression d'un autre ami aussi, qui aujourd'hui est en France, malgré tout l'investissement qu'il a fait dans le milieu culturel, il s'appelle Melboritz Pana. Il disait qu'il avait la sensation d'être exilé dans son propre pays. Qu'à chaque fois qu'il voulait faire des choses, ils étaient bloqués parce qu'ils n'avaient pas la bonne couleur, parce qu'ils n'étaient pas dans les bonnes grâces de ceux qui décidaient, et qu'il se sentait exilé dans son propre pays. Aujourd'hui, il vit en France avec sa femme, et c'est clair que c'est un exil. Les visions des gouvernants actuels empêchent tout épanouissement positif. Les universités locales ne forment plus. Les budgets de l'éducation sont réduits de plus en plus au profit du budget de l'armée ou pire, du budget de l'animation en faveur du parti au pouvoir. L'Afrique est devenue ou est encore en 2021 le territoire privilégié du mauvais exemple. Les mauvais sont loués, les bons sont bafoués, persécutés, chassés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des gens à qui on va donner des titres, des fonctions, des postes, mais on sait que ces gens-là n'ont pas la compétence pour être là où on les place. Et on sait que là où on les met, ils ne peuvent pas faire avancer la chose, mais on les met quand même. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont des bons bords, parce qu'ils sont membres des bons partis et parce qu'ils sont capables de corrompre et de se laisser corrompre. Il faut corrompre, se laisser corrompre, garder le silence, fermer les yeux pour espérer avoir la tranquillité de respirer, la tranquillité de vivre, de rester vivant en Afrique, dans les cas extrêmes. Le travail ne paye pas, c'est la délation qui paye, le lèche-cul, le lèche-botte. Combien de ces gens nous ne connaissons que trop dans nos pays qui n'ont eu leur place de ministre et tout ça juste parce qu'ils pratiquait la délation. Ah, monsieur le président, excellence, celui-là, il fait ci, il fait ça. Celui-là, il a dit ceci. Ces gens-là ont été élevés au rang de ministre de la République, ont été élevés aux plus hautes distinctions de la République pour montrer quel exemple. Des gens qui ont été attrapés en train de tricher à l'école, c'est eux qu'on a nommés ministres. Des gens qui ont volé de l'argent. Et on sait qu'ils ont volé de l'argent. Les scandales sont là. Ces gens-là sont les patrons de notre pays. Quel exemple est-ce que nous donnons en Afrique? Nos États donnent toujours les mauvais exemples. Et puis, ce n'est pas comme s'ils volaient. Parce que comme ils copient tous la France, aujourd'hui, on a un gouvernement en France où il y a tellement de gens qui sont en prise avec la justice pour des méfaits. Et on se demande si c'est un gouvernement ou une mafia. Moi, ils peuvent dire que je suis aigri. Ça ne me dérange pas. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Pourquoi est-ce que des gens qui n'ont pas la compétence vont avoir les postes compétents? Ça ne fonctionne pas. Le menuisier ne peut pas être le médecin. Il faut the right person at the right place. Ça, c'est fondamental, c'est banal. C'est banal. C'est la simple chose à faire. Mais qu'est-ce que nous faisons en Afrique? On fait tout le contraire de ce qu'il faut faire. On a, deuxième raison, on a amputé la jeunesse africaine de sa conscience. On a amputé la jeunesse africaine de sa conscience. Et pour ceux qui ont encore une espèce de conscience, cette conscience est gangrénée par la colère. Nous passons tous par là. Moi, je suis passé par la colère. Et j'ai compris que la colère ne résout pas. Même si ça peut être une colère saine, ce n'est pas de l'aigreur, ce n'est pas de la colère, mais il faut que ça devienne une forme d'énergie qui nous pousse à changer les choses. Une jeunesse africaine sans identité, quand elle ne se perd pas dans des multiples identités. Est-ce qu'il faut être jeune Togolais ou descendre jeune Togolais du sud ou du nord? Jeune Togolais du sud ou du nord, mais chrétien?
on est perdu dans différentes espèces d'identité. Le cas ne se trouve que rarement ailleurs, où les gens doivent tellement se distinguer à différents échelons. D'abord le pays, la région, la préfecture, le clan, l'ethnie, les choix individuels. Pour constituer une identité, la jeunesse africaine est perdue. Elle est perdue parce qu'elle ne trouve pas quelle identité prendre, ou elle est perdue dans toutes ces multiples identités dont elle doit se revendiquer. Quand on n'a pas d'identité, on n'a pas de personnalité, on n'est pas capable de jouer le rôle qu'on attend de soi. Une jeunesse africaine qui rejette ses valeurs locales pour préférer des valeurs étrangères qui n'ont pas de lien, de relation avec leur territoire, les défis de leur territoire. Une jeunesse qu'on a obligée à faire partie d'une mondialisation forcée, une mondialisation aujourd'hui en faillite. On a obligé les jeunes Africains à se sentir citoyens du monde quand ils étaient difficilement citoyens de leur propre pays. Les défis qui se posent à la jeunesse africaine sont complètement différents des défis des autres jeunes en Occident. Parce qu'on nous oblige toujours dans une marche forcée à suivre des modèles qui ne s'adaptent que difficilement à nos défis locaux. Quel est le modèle aujourd'hui des jeunes Africains? Perdus entre la célébration de la médiocrité dans leur pays, parce que c'est ce que le pouvoir local leur impose, ou le rêve d'être un entrepreneur à succès comme un Steve Jobs, ou un Mark Zuckerberg. Steve Jobs et Bill Gates peuvent partir leur idée depuis le garage de leurs parents et réussir. Ce n'est pas le cas en Afrique. Combien d'ailleurs de parents ont des garages disponibles où les enfants peuvent se retrouver pour réfléchir ensemble? Alors qu'on nous vend ce modèle de l'entrepreneuriat comme étant la réponse à tous les problèmes de l'emploi qui se posent. Des jeunes justement qu'on envoie dans les chimères de l'entrepreneuriat à défaut de créer des emplois en développant des économies productives. Vous avez des ministres de l'emploi, des ministres de développement à la base ou des ministres de la jeunesse qui vont dire aux jeunes, soyez votre propre patron, créez vos propres emplois. Mais vous savez quoi, vous pouvez créer vos entreprises en une seule journée, vous devenez des directeurs généraux. Mais des directeurs généraux, des CEO de quoi? Pour qui va acheter? Pour quel marché? Les jeunes se copient entre eux, ils développent des trucs. Mais la seule chose qui marche pour les jeunes, c'est d'ouvrir des bars et des restaurants. Et encore, s'ils ne s'endettent pas pour rien. Les jeunes doivent choisir entre la corruption et la prostitution ou partir de leur pays pour tenter l'immigration. Et les risques qui viennent avec l'immigration. C'est à cette jeunesse-là qu'on demande de s'engager en politique. Avant, l'esclavage était forcé. On venait chercher manu militari, les jeunes, la force vitale de nos territoires, avec des bateaux et des navires, et on les envoyait travailler dans les plantations en Occident ou dans les territoires américains. Aujourd'hui, ce sont les jeunes eux-mêmes qui risquent leur vie pour sortir de l'Afrique, même sur des radeaux, et ils vont mourir sur les côtes européennes ou échouer dans les plantations occidentales. L'immigration, peu importe les vertus qu'on peut lui prêter, c'est aussi une forme d'esclavage qui dépouille l'Afrique de sa force vitale pour aller travailler pour d'autres territoires. Pour les jeunes Africains qui se gardent une certaine conscience, la colère est leur carburant. Cette colère n'est pas souvent orientée parce qu'on va assister à quoi? Des kamites qui réclament une certaine forme d'identité en se perdant dans le flou de tout ce que ça représente et des différentes interprétations. Ou on a quoi? Des révolutionnaires Facebook avec des colères vaines qui restent sur les réseaux sociaux au lieu d'être la substance d'un changement véritable.
Il reste encore deux points, deux éléments, deux raisons pour lesquelles, vous savez, l'Afrique doit travailler pour que la jeunesse se réveille, mais que cette jeunesse est prise dans des histoires compliquées. Et je vais vous en parler encore après une petite pause. Je cherche une chanson qui va peut-être faire plaisir. Est-ce que vous avez partagé la vidéo? Mettez les cœurs, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Vous pouvez écrire ce que vous voulez dans les commentaires, hein. Vous savez, des fois, quand on y pense, ça rend tellement triste. Parce qu'après la colère, tout ce qui nous reste en fin de compte, c'est la tristesse. Et c'est très, très, très difficile à vivre. Troisième raison pour laquelle la jeunesse africaine à qui on demande de s'engager en politique va avoir de la difficulté à remplir cet engagement que Alain Foucault, notre aîné, demande aux jeunes d'aujourd'hui, c'est que la jeunesse africaine et le divertissement permanent sont un couple qui ne dure que trop. Je répète, la jeunesse africaine et le divertissement permanent sont un couple qui ne dure que trop. Formatée après les dictatures, d'après les indépendances, la jeunesse du divertissement se multiplie encore et encore. Là où il y a le rire et le folklore, ils sont là. Les histoires de sexe, les jeux, les animations, on est calé. Encore pour revenir sur cette histoire cette tentative de talk show où tout ce que je voulais amener, c'est une façon de discuter des problèmes de société sans partisanerie, mais dire les choses qu'il faut dire. Et quand l'émission devait être censurée, on m'a appelé et on m'a dit non, Lovejoy, tu fais ça sur la TVT, non, tu sais que tu connais les situations. Je dis oui, je connais. Je le fais sur la TVT parce que je veux que ce que je dis soit écouté sur tout le territoire. Je n'ai pas insulté le président, je n'ai pas insulté le parti au pouvoir. Je dis, voici la façon dont les choses se font. Est-ce qu'on peut faire de cette façon-ci? Si c'est important, en tant que contributeur, on peut nous appeler, nous demander, ah oui, vous avez parlé de ça, effectivement, on veut aller plus loin. On va leur donner les idées gratuitement. Nous avons travaillé parce qu'on est resté sur le territoire à devenir ce qu'on appelait à l'époque des leaders d'opinion. C'est-à-dire, on prenait la parole au nom des associations, au nom des groupes, dans les spectacles culturels, on animait des spectacles, des soirées, tout ça. Et on travaillait dans le pays et il y avait une certaine partie de gens qui considéraient ce qu'on disait. Et on avait l'obligation de dire les choses qu'il fallait dire. On m'a proposé, je veux juste pas citer de nom parce que mes contemporains sont toujours là. Mais on m'a proposé un financement du port autonome de Lomé pour mon émission si je transformais le tout en divertissement complet.
J'ai dit niet. J'ai dit niet. Que moi, je ne suis pas là pour divertir. Je suis là pour, dans l'amusement, même si on rigole, on parle, de dire les choses qu'il faut. Je suis absolument contre le divertissement. Je vois un commentaire sur lequel je vais réagir tout de suite parce qu'on disait, JFK dit, ne demande pas à ton pays ce qu'il peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour lui. Cette phrase-là, vous la prenez hors de son contexte. La phrase commence en disant, toi, jeune Américain, ne demande pas à ton pays ce qu'il peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour lui et pour le monde. Ça, c'est la vraie phrase. Et on parlait aux jeunes Américains. Un jeune Américain, ce n'est pas un jeune Africain, ce n'est pas un jeune Togolais à qu'on empêche de respirer et de vivre. C'est un jeune qui doit se battre pour respirer. Ce n'est pas la même chose que le jeune Américain. Aux États-Unis d'Amérique, on a construit un pays démocratique où les gens sont capables de se lever, de travailler et de gagner leur vie à la sueur de leur front. Vous êtes dans des États où l'État accapare toutes les richesses pour une petite partie de la population et vous êtes là sortir une phrase de JFK qui s'adressait à des Américains qui avaient la sécurité sociale, la réussite garantie et il y avait moins de corruption que dans vos pays et vous répétez ça à tout va. Il faut arrêter. Il faut absolument arrêter de vous foutre des gens. Allez chercher le contexte de cette phrase, lisez-la en entier et comprenez-la une bonne fois pour toutes au lieu de sortir ça à tout va et n'importe comment. Les États, les sociétés sont construites et il y a des frontières. Les richesses minières et les richesses du pays doivent servir tout le monde, pas seulement quelques-uns. Mais lorsque la richesse va servir tout le monde. Là, on pourra demander aux gens de s'impliquer dans du patriotisme ou dans quoi que ce soit. Donc, moi, je vais retourner au live. Et je disais donc que le folklore est ce qui anime plus la jeunesse. Les amuseurs publics sont célébrés. Les éveilleurs de conscience sont ignorés. Le travail pour se réveiller est tellement immense que la jeunesse africaine préfère se recréer, laissant à la jeunesse, à la génération prochaine, je veux dire, le soin de faire ce qu'il faut, ignorant même que les enfants copient leurs parents et les modèles dans lesquels ils ont été éduqués. Je ne suis pas fâché, mais disons que c'est une colère saine parce que je trouve quand même un peu abusé que l'on sorte cette phrase à tout va sans avoir étudié le contexte. Donc c'est pour ça que je dis tout de suite pour que les gens comprennent que cette phrase-là, elle est belle, elle est intéressante, mais attention, elle n'est pas adressée aux jeunes Africains qu'on empêche de respirer. Donc je disais que on laisse le travail à la génération prochaine parce que le travail à faire est tellement immense qu'on se dit bon, ben finalement, nous on va laisser faire. C'est à vous les jeunes de le faire. Et c'est ce que fait Alain Foucault. Alain Foucault admet que sa génération a échoué. Et Alain Foucault demande aux jeunes, alors qu'il a que 56 ans, qu'il est bien vivant, qu'il travaille sur un média français, Radio France Internationale, mais il dit, nous on a échoué, allez vous impliquer vous en politique. Mais eux qui connaissent la politique mieux que tout, lui par exemple, qui connaît la politique africaine mieux que tout le monde pour avoir déterré des archives, pour être en contact avec les acteurs politiques et tout ça, lui ne s'engage pas, mais il demande à la jeunesse de s'engager. Et nous, aujourd'hui, on va dire exactement la même chose. C'est-à-dire demander à la jeunesse de s'engager, parce que moi, comme je le dis, moi j'ai 40 ans, je ne suis plus dans cette frange de la jeunesse. Mais nous, les 40 ans et plus, nous sommes des enfants de Facebook. On a commencé avec Hi5, on est arrivé sur Facebook, on a développé Facebook, on était déçus et tout ça. Nos frères et sœurs sont passés sur Snapchat et Instagram. Ça, c'est un autre délire plus loin que celui de Facebook. Encore le divertissement. Et voilà nos enfants qui sont gavés de TikTok.
Mes chers amis, ça ne s'améliore pas. Ça va de mal en pis. On continue de privilégier le divertissement à la prise de conscience et au travail qu'il y a à faire. Et nos enfants, nos frères et sœurs ne font que copier ce que nous leur montrons. Il n'y a pas d'éducation véritable de nos frères et sœurs pour qu'ils prennent conscience de quelque chose. La quatrième raison pour laquelle je crois que cette jeunesse va être difficilement capable de s'engager en politique pour renverser la donne, c'est que le court terme est le piège dans lequel la jeunesse s'enterre, le court-termisme. La jeunesse, cette jeunesse africaine d'aujourd'hui, ne se donne plus le temps de rien. Ils veulent consommer tout de suite. Et les réseaux sociaux nous habituent à ça. Les statuts qui ne durent que 24 heures, les Snapchat aussi, ça a commencé avec Snapchat. Et aujourd'hui, on a les statuts sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur WhatsApp, qui ne durent que 24 heures. C'est le temps de la consommation immédiate. Ça arrange le capitalisme, mais est-ce que ça nous arrange, nous? Le fast-food, comme dirait Kwaku. Les pratiques qu'il faut proscrire en Afrique sont tellement enracinées que notre façon de vouloir tout changer et tout de suite est la raison de l'échec permanent dans lequel nous baignons. Le changement véritable a besoin de temps. Le temps de la préparation, le temps de l'action, le temps de l'expérience et de l'échec, le temps de se reprendre et de corriger son action, le temps de faire nous une partie et laisser à d'autres le temps de faire l'autre partie. Puis le temps de la mutation et de la transformation. Encore un autre exemple que je connais, c'est l'exemple du Togo. En 2014, il était question de changer la constitution togolaise pour limiter les mandats à deux, sans aucune possibilité de se représenter. Le parti au pouvoir à l'époque disait « Il n'y aura pas de rétroactivité. Si on se met d'accord sur cette loi, bah, il faudra que cette loi ne soit pas rétroactive parce que nous, notre champion, c'est comme ça qu'ils avaient appelé le président fort à l'époque, a besoin de se représenter. Vous ne pouvez pas le bloquer par une loi qui ne saurait être rétroactive parce que la loi décide pour l'avenir et non pour le passé. » À l'époque, l'opposition, Jean-Pierre Fabre en l'occurrence, avait exigé que cette loi empêche Fornia Singbe de se représenter. Et moi, j'avais écrit un blog et puis d'autres, Jean Dégli et autres, ont conseillé, même Agbeyome avait conseillé à Fabre, de concéder cela pour gagner ne serait-ce que 5 ans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il avait refusé, peut-être parce que dans 10 ans, il serait peut-être aussi limité par l'âge et qu'il ne pourrait plus être président, ou il voulait peut-être un terrain plus facile pour lui s'il avait quelqu'un d'autre que Fornia Singwe en face de lui, on ne sait pas. Mais tout compte fait, c'est le parti au pouvoir qui a fini par voter cette loi, mais en quoi faisant? En gagnant 5 ans de plus. Ils sont quand même allés aux élections en 2015. Le président de la République a gagné en 2015. Et c'est après qu'il a instauré la limitation des mandats. Ce qu'il aurait pu finir entre 2015, 2020, 2020, 2025, là aujourd'hui, là jusqu'à 2030, pour rester au pouvoir s'il gagnait les élections à venir. En tout cas, plus rien ne peut plus s'opposer si jamais il décide de se représenter aux prochaines élections de 2025. Alors qu'on aurait pu sauver 5 ans, le court-termisme. Jean-Pierre Fabre aurait pu dire, ok, nous on s'est battu avec Gilchrist Olympio depuis 90. On arrive en 2015 et là, il y a une possibilité de sauver quelque chose. Si ce n'est pas moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Et en plus, moi à l'époque, et ça m'a encore valu des problèmes au sein de mon lieu de travail, j'avais expliqué qu'au Burkina Faso, il a fallu que Blaise Compaoré limite les mandats avec la possibilité de se présenter deux fois encore, sans rétroactivité, pour que, un, Zéphirin Diablé quitte le parti au pouvoir et que Marc-Christian Caboret quitte le parti au pouvoir parce qu'ils avaient compris qu'ils ne seront pas le dauphin de Compaoré.
et que Compaoré avait proposé à, comment il s'appelle, Djibril Bassolé, qui sera son dauphin. Et j'avais expliqué à l'époque, en 2014, que c'est ça qui a divisé le parti au pouvoir. Zéphirin Diablé et Roch Marc-Christian Caboret étaient des pontes du parti de Blaise Compaoré. Ils ont quitté, ça a affaibli le parti au pouvoir. Et si cette révolution de Ouagadougou a marché, c'est justement parce que Djibril Bassolé, qui s'est vu doublé par Blaise Compaoré à la veille de la modification de la loi qui va aller permettre à Blaise Compaoré de se représenter à nouveau, c'est lui qui a changé le dispositif qui a permis à ce que les jeunes puissent attaquer l'hôtel où étaient rassemblés les députés qui voulaient reconsidérer la loi pour permettre à Blaise de se représenter. S'il n'y avait pas eu cette affaire-là, le vote et la possibilité donnée à Blaise de refaire encore deux mandats, ben, il n'y aurait pas eu de division au sein du parti. Parce que la course pour devenir le dauphin allait diviser les forces. Et Aleman le disait, s'ils sont divisés, l'ennemi s'infiltre. Nous avions besoin qu'on dise, d'ici deux mandats, le président ne pourra plus se représenter. Pour voir les gens de son propre parti commencer à vouloir se positionner pour le remplacer. Parce qu'eux aussi, ils ont envie de devenir président. Et d'ici là, l'opposition avait la possibilité de préparer un candidat consensuel, un candidat correct pour gagner et instaurer la véritable démocratie. Mais il n'y avait pas de possibilité parce que eux, ils voulaient être eux et non personne d'autre. Vous prenez le parti, des différents partis, ils sont créés pour des gens, autour des gens, et dès qu'il y a contestation, ben, ils chassent les gens qui vont créer d'autres partis. Et c'est ça l'Afrique. C'est ça le contexte politique de l'Afrique où Alain Foucault va demander aujourd'hui aux gens, aux jeunes qui sont pris par le divertissement, qui sont impliqués malheureusement dans le court-termisme et tout ça, pour s'engager en politique, ça va être compliqué. En Afrique, la jeunesse africaine ne doit pas seulement s'engager en politique, en choisissant de servir et non de se servir. C'est important que, quand on demande aux jeunes de s'impliquer, il faut qu'on leur explique que l'implication politique, c'est une vocation, c'est un devoir, c'est une mission pour les autres, pour aider les autres à se sentir bien dans cette société où nous vivons tous ensemble. L'engagement politique, ce n'est pas l'accès à de l'argent facile, à de l'argent gratuit ou au denier public qu'on peut voler, détourner sans être inquiété par la justice. L'engagement politique, c'est le service noble de la population. Le service noble des gens qui ont besoin qu'on les aide. C'est ça l'essence de la politique. La jeunesse africaine ne doit pas seulement se préparer à s'engager en politique. Elle doit préparer une révolution. Le cancer est répandu et il faut des frappes chirurgicales. Il faut couper les têtes à des serpents, guillotiner des bourgeois qui se transmettent la vermine de la corruption de père en fils. Et ils s'accaparent, ces gens, des deniers publics qui doivent servir tout le monde. Et ils le disent même, que 1% de la population s'accapare des richesses du pays, il faut que ça change. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On nomme ses copines, sa femme, son ex-fiancé, toutes ces conneries-là. Mais on dit qu'il faut changer ça. Il faut préparer une révolution. L'élite corrompue se succède à elle-même en transférant un pouvoir malsain par héritage. Et la jeunesse est là, observe et subit. Nous avons les mêmes consonances de nom, de père en fils. Au Gabon, ils sont même déjà en train de préparer le petit-fils. Parce qu'aujourd'hui, à la présidence gabonaise, c'est Nouredine Bongo, pardon, qui est le petit-fils d'Omar et le fils d'Ali Bongo, qui a tout le pouvoir à la présidence et qui décide pour son père. En Afrique, c'est ça. La Révolution française a créé la République française. La Révolution américaine, par la guerre d'indépendance, a créé les États-Unis d'Amérique. Dans l'histoire des peuples, les révolutions sont génératrices de changements. En Afrique, nous devons faire des révolutions sur plusieurs plans. Sur le plan spirituel, il faut qu'on arrive à décider
quel est notre destin, d'où est-ce que nous venons. Les données sont là, les preuves sont là, que même la Bible a été écrite en s'inspirant de l'Afrique. Les enseignements de la Bible sont totalement conformes avec nos enseignements traditionnels. Mais c'est parce que nous les appréhendons en pensant qu'il vient du blanc, qu'il est pour le blanc, que Dieu est blanc, son fils est blanc, que nous n'arrivons pas à les intégrer. Et je le dis souvent, lisez le Lévitique. Le Lévitique ne fait que la description de ce qui se passe dans le vaudou, des sacrifices que Jéhovah demande. C'est exactement la même chose dans nos traditions. Nous avons une révolution intellectuelle à mener. Intellectuelle parce que nous devons changer le formatage. Les règles d'économie, de société, de je ne sais pas quoi qui fonctionnent en Europe ne sont pas les mêmes qui doivent fonctionner en Afrique. Les territoires sont différents, les peuples sont différents, les appréciations sont différentes de différents sujets. Il faut faire une révolution intellectuelle et arriver à développer un modèle africain ou un modèle dans chacun de nos pays qui nous permette de nous épanouir sans forcément tout le temps vouloir implémenter des choses qui ont été faites ailleurs, que l'Occident nous oblige à intégrer dans nos façons de gouverner pour leur permettre à eux de venir commercer avec nous, prendre nos richesses et partir sans payer un denier. Nous devons réfléchir à faire une révolution sociale. Quelle est la société que nous voulons dans nos pays? Sur la base de quoi? Quelles sont nos valeurs? Nous devons penser à faire une révolution économique. Nous devons arriver à comprendre que nous cultivons pour servir l'Occident, il faut commencer par cultiver pour servir nos populations. Il y a plus de subventions pour cultiver le coton que pour cultiver le maïs. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Pour parler québécois, ça n'a pas un maudit de bon sens. J'ai mal parlé, vous m'excuserez, les Montréalais. Nous devons ensuite préparer une révolution politique. Pourquoi? Parce que la façon de faire la politique en Afrique, elle n'est pas bonne. Elle ne garantit pas l'équité et la justice dans nos pays. Elle ne garantit pas l'épanouissement de nos sociétés et de nos populations. Il faut faire une révolution, une vraie. Pensons l'État avec nos valeurs, avec ce qui correspond à nos défis. Ne pensons pas l'État selon ce qu'on nous dit de faire. On a eu la colonisation, on a eu notre indépendance, mais depuis, avec les programmes d'ajustement, les ci, les ça, les constitutions copiées ça et là, nous ne sommes pas arrivés à définir ce qui est notre forme d'État dont nous avons besoin. On nous fait croire que la démocratie vient de la Grèce, c'est faux. Dans nos villages, je l'ai déjà dit dans un live, l'arbre à palabre où le roi est assis, les notables sont les représentants des différentes grandes familles du village, vont s'asseoir, mais les populations sont là pour prendre la parole. C'est ça la démocratie. Nous pouvons retourner à ce modèle-là, ou le renforcer, ou définir notre modèle de politique, de gouvernance. Et nous devons aussi faire une révolution culturelle. Parce que qu'est-ce qui nous définit aujourd'hui? Est-ce que c'est notre façon de copier l'Occident qui nous définit? Malheureusement, oui. Nous faisons les choses, nous copions l'Occident sans revenir nous-mêmes à nos fondamentaux pour définir qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. Il est temps de s'organiser. À ce stade-là, je vous dirais que j'ai fini sur le sujet, le point d'information d'aujourd'hui. Ceux qui ont pensé que je m'étais fâché tout à l'heure, non, mais j'ai voulu tout de suite régler la question de cette citation-là qu'on dit souvent pour pousser les gens à se dire non, c'est vrai, le patriotisme, le civisme, machin, tout et tout. Quand on a appris sur l'hymne, la devise et tout ça, le pays ne nous rend pas service. Et donc, il est difficile de demander aux gens de continuer à s'investir. Et ce qui est bizarre, c'est que je préparais l'apéro d'aujourd'hui et Facebook m'a envoyé un souvenir que j'avais partagé il y a un an. Et c'était la phrase d'Étienne de la Boétie dans La servitude volontaire. Cette phrase disait « Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Les tyrans ne sont grands
que parce que nous sommes à genoux. Soyez résolus de ne plus servir et vous serez libres. Étienne de la Boétie dans la servitude volontaire. Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. On revient après cette chanson pour parler du thème de ce jour. Préparer la révolution. Moi, dans un militaire, moi, pas besoin d'allot, soutiens-moi, jury. Serza Massamba, trahir mon sac à prendre mes totos, la dérape mouillée, vous cherchez vos sorrows. Les tyrans, c'est tous ceux qui s'accaparent du pouvoir et ne veulent pas le laisser. Bête va militaire, Moutou Sakala, tout couvri poito. Alors, avant de continuer, si quelqu'un a envie de faire un point, on peut le prendre tout de suite pour 5 minutes. Quelqu'un a envie de faire un point par rapport au sujet qu'on vient de traiter ou on continue avec le thème du jour? Dites-moi dans les commentaires. Pendant que cette musique de Zao joue. Un, deux, ancien combattant. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Afrique pillée par. On continue. J'ai tué allemand. Oui. J'ai tué anglais. Moi j'ai tué Jekosolova. Makeleba, un, deux, ancien combattant. Bounasukele. Makeleba, un, deux, ancien combattant. La guerre mondiale, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il n'y a pas de choisi. Bon, après ce point d'information qui a été traité largement, je pense même un peu plus largement que... Toi, tu veux en parler? Bon, tu as 2 minutes, Kwaku. Enfin, un point, parce que je veux pas qu'on m'accuse de monopoliser la parole. Donc, pour 2 minutes pour son point. Alors, je vois un commentaire qui dit « Appeler à la révolution, c'est ouvrir une boîte de Pandore. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. » Je suis absolument d'accord avec toi, mon ami. C'est ouvrir une boîte de Pandore. Mais sans révolution, il n'y a pas de transformation. Nous avons des sociétés à transformer, mais le statu quo est trop présent. À un moment donné, il faut donner un coup de pied dans la fourmilière pour que ça change. Donc, alors, vas-y, mon ami. Kwaku, salut, ça va, comment tu vas? Oh, ça va. J'espère que toi-même, tu vas bien parce que, bon, ton terme de ce soir... Ok, bon, ben, j'ai pas beaucoup de temps, donc... Le thème intéressant, bon, moi je vais plutôt continuer, je vais ajouter à ce que tu dis, ce que tu as dit, parce que bon, ben, ce que tu as dit, c'est très très déjà exhaustif, mais j'ai posé une question, c'est qui les tyrans, qui sont les tyrans, qui sommes-nous? C'est la question que nous devons nous poser, parce que bon, dans nos pays, vous voyez, vous parliez par exemple de l'opposition togolaise, ils font aussi partie des tyrans. Exactement. Du genre... Le problème, il est un peu subtil, au fait. Les gens qui sont aujourd'hui au Togo ont commencé par parler du genre de scandale à pétrole au Togo, tout ça.
on voit que les gens dont les noms sortent, on dit que ce sont les tyrans. Ce n'est pas vrai, véritablement les vrais tyrans. Du genre, les soi-disant tyrans même sont au fait du genre des fois, derrière eux, il y a d'autres tyrans qui les manipulent dans l'ombre et qui maintiennent le système qu'on ne voit pas. Donc, les gens s'attaquent à des gens, des tyrans de face des fois, alors qu'eux aussi, ce sont que des marionnettes. Du genre, aujourd'hui, ça fait que les gens s'attaquent à des gens. Moi, je vois dans beaucoup de pays, quand les gens s'attaquent à des opposants, à des gens au pouvoir, souvent, qu'est-ce qui se passe? Tu t'attaques à quelqu'un au pouvoir, quelqu'un de l'opposition vient, il fait les mêmes choses. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention quand on parle des tyrans. Parce que les tyrans, ce n'est pas toujours ce qu'on veut savoir. Si je prends encore un autre volet, le deuxième volet, je terminerai par le troisième volet. Quand je prends le deuxième volet, mais quand je prends l'administration dans nos pays, moi j'ai fait un peu l'Afrique, l'administration, les tyrans même font partie de l'administration. Tu vois quelqu'un, il est nommé à un poste, il vient au boulot à 20 et genre à 10 heures, et à 15 heures, il repart à la maison. Et il dit que bon, ben, du genre, et lui, il dit que non, il ne fait pas partie du pouvoir, il ne fait pas partie du tyran, il se prend du côté blanc, du genre côté blanc de griffe, quoi. Il dit que lui, non, il est bon, en fait. Et chaque dimanche, pour se nettoyer la conscience, il va à l'église et le prêtre ou bien le pasteur le bénit. Donc, ça, c'est le deuxième aspect. Troisième aspect, il faut voir aussi, c'est tous ces pasteurs et ces prêtres-là aussi qui. Je vais les situer dans une élite. Il y a une élite, au fait, qui est non agissante, qui font aussi partie de nos tyrans. Oui. Parce que c'est une élite qui sait. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Les gens savent. Les syndicats. Oui. Moi, voilà. Les gens savent des choses. Ils savent des choses. Ils savent qu'ils peuvent faire même bouger la société à leur niveau. Mais les gens n'osent pas agir. Moi, je parle avec des boss. Des gens qui sont des boss dans des pays, ils savent des choses. Ils se demandent même comment changer les choses. Mais ils savent quoi changer. Mais je pense que le courage, ils ont besoin de courage. C'est pour ça que je pense que, comme tu le dis, l'aspect spirituel est très important. Il faudra commencer par l'aspect spirituel parce que il y a des choses, les gens savent. C'est pas que les gens ne savent pas, les gens savent, mais l'action, passer à l'action, c'est ça qui est un peu difficile pour les gens. Donc, voyons les tyrans à ces trois points de vue aussi, ça va nous permettre de savoir que, ok, ces tyrans, quand on parle de ces tyrans, ils sont là. Mais maintenant, quand on parle de nous, les tyrans aussi font partie de nous. Oui. Et quand on parle de nous, c'est pas que les tyrans sont de notre côté et que les nous sont de notre côté. Il faudra que peut-être que, si aujourd'hui, un dirigeant d'un pays, si je prends le cas du Togo, je prends du cas du Ghana, du Bénin, si aujourd'hui au Togo, un certain Fornia Singbe se lève et dit qu'il veut changer le Togo, il pourra le faire. Et ce n'est pas de dire que quand nous, on veut agir, la révolution, ça ne passe pas, ça ne passera pas toujours par du genre le Zemi Djaman ou bien le conducteur de trottoir au Ghana ou bien non. Lui aussi, du genre, le tyran, le soi-disant tyran, lui aussi fait partie de nous. Lui aussi peut faire la révolution à son niveau. Et c'est quelque chose de très important. Bon, je m'arrête là. Merci beaucoup. Pour finir, juste pendant que tu es là, c'est en cela qu'il y a une certaine forme de vertu pour la révolution. Parce que, comme le disait tout à l'heure un autre commentateur qui dit, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Justement, la vertu de la révolution, c'est de faire table rase de tout. Parce que tout ce que tu as cité, ils font partie de cette élite corrompue qui laisse un système s'installer et perdurer. Et aussi, on a tellement différentes façons de voir les choses qu'il n'y a qu'un véritable désordre, un vrai déclic pour permettre de tout reconstruire à partir de la base. La Révolution française, pour ceux qui connaissent l'histoire, on a guillotiné des bourgeois, mais ensuite, pour mettre en place la République, on a créé l'empire, qui est pire que la royauté. Et de fil en aiguille, on a continué à corriger. Mais au moins à un certain niveau, il a fallu tout mettre à plat pour que ça change. L'exemple d'une révolution par le chef de l'État, c'est l'île Maurice, où le chef de l'État a rassemblé les députés et a voté un certain nombre de lois qui ont permis de faire bouger l'économie de ce pays-là. Il a été considéré à son époque comme dictateur. Aujourd'hui,
on le célèbre, son modèle est connu et on le félicite d'avoir eu le courage de poser les couilles sur la table et de dire ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens pleurent. Rawlings aujourd'hui. Mais Rawlings a dû faire une révolution, couper des têtes, tuer des gens au peloton d'exécution pour que le Ghana soit ce que le Ghana est aujourd'hui. Et aujourd'hui, il s'en va. C'est tout un peuple qui pleure. C'est tout un continent qui pleure, quelqu'un comme ça. C'est ça la révolution dont je parle. Arriver à créer le déclic, mettre tout à plat pour que les gens puissent fonctionner. Et pour la petite histoire, quand je travaillais à la présidence, mon père, un syndicaliste, était fâché parce que il a connu l'opposition en 90 et tout ça. Il est resté, il a une certaine façon de voir les choses. Et je lui ai répondu, écoute, vous aviez la responsabilité de chasser Yadema quand nous, on était petits. Yadema est mort de sa propre mort. Et son fils, que vous saviez qu'il allait le remplacer, l'a remplacé. Tout le monde le savait, mais personne n'a rien fait, rien préparé pour ça. Aujourd'hui encore, on susurre dans les couloirs que le petit frère va le remplacer. Il est maire, député, il est ci, il est ça, il dirige un club de foot, il est partout, il se positionne, mais personne ne dit rien. Quand il va le remplacer, on va tous commencer à crier comme si on ne savait pas. Et je disais à mon père à l'époque, vous n'avez pas réussi à le remplacer. Il est mort, son fils l'a remplacé. Nous estimons, nous les jeunes de cette époque-là, nous estimons que comme il a tous les leviers du pouvoir, si on l'encourage, il va faire des révolutions et changer les choses comme il faut. Il s'est installé dans la pérennité 15 ans plus tard. Ça n'a pas vraiment bougé, même si ça a bougé sur beaucoup de lignes. Et puis, je lui ai posé la question, ça fait combien d'années que toi, tu es secrétaire général du syndicat des journalistes? Et là, il m'a dit, c'est quoi? Si toi, tu es en retard depuis 10, 15, 20 ans, même à l'époque, secrétaire général du syndicat, tu ne changes pas. Tu penses que celui qui est là avec le pouvoir, les honneurs et l'argent, lui va laisser comme ça parce que vous êtes sorti manifester dans la rue? Ça ne marche pas comme ça. La révolution doit intervenir, qu'elle vienne de celui qui a les leviers pour décider, ou qu'elle vienne du Zemi Diamant parce que les gens sont fatigués, ou que ça part d'un révolutionnaire fou qui coupe des têtes. Il faut une révolution pour qu'il y ait véritablement changement. Je vais te couper ici. Merci d'avoir Merci. On attaque le thème du jour, sinon les gens vont se fâcher. Merci beaucoup pour ton intervention. Bref, le thème du jour, les voies de l'élévation. Après samedi dernier, où nous avons étudié ensemble les multiples visages de Dieu et avoir conclu que l'homme était Dieu, créé à l'image de Dieu, il m'a été demandé quelles étaient les voies de l'élévation. Pauvre de moi. Moi, je viens boire du whisky, profiter pour parler avec vous. Et on me demande à moi quelles sont les voies de l'élévation. Je n'ai pas dormi parce que juste après, Edem a continué à commencer à me dire « Ah, j'ai des questions pour le live du samedi prochain. » Il m'a envoyé ses questions. Toute la semaine, j'ai réfléchi aux voies de l'élévation et je me suis quand même dit « Quelle grande question !» Quelles sont les voies de l'élévation? Comment est-ce que je peux traiter un tel sujet? Et qui suis-je? Est-ce que j'ai la légitimité pour venir vous dire, dans un apéro conversation, un peu de whisky dans le nez, voici les voies de l'élévation? Mais j'y ai quand même réfléchi toute la semaine. Et j'ai fini par conclure, et je pense, je vous le dis, qu'il existe deux types d'élévation. L'élévation d'une âme dans un corps qui vit, et l'élévation d'une âme qui quitte un corps mort. Il y a deux types d'élévation. L'élévation d'une âme dans un corps qui vit et l'élévation d'une âme qui quitte un corps mort. La première élévation, celle de l'âme dans un corps vivant, détermine la seconde élévation. De la façon dont vous aurez traité votre âme pendant que vous vivez, va déterminer si cette âme est capable de s'élever lorsqu'elle va quitter le corps. L'élévation, c'est tout d'abord l'acte de se mettre au-dessus de quelque chose, s'élever. Dans le cas d'espèce,
s'élever au-dessus de nous-mêmes, de ce qu'on peut considérer comme vulgaire, vil, s'élever au-dessus de la chair, de la matière. Nous sommes un corps qui est là, mais il y a une vitalité, une énergie dans notre corps qu'on appelle l'âme, que nous devons arriver à élever au-dessus de la prison du corps. Comment être un organisme de chair et vouloir s'élever quand même de la chair? S'extirper comme d'un corps où l'âme est emprisonnée. Mais c'est parce que nous sommes avant tout une âme. Nous avons vu dans un live précédent où on a posé la question à quel moment est-ce que l'âme s'incarne dans le corps? Parce que si l'âme ne s'incarne pas dans le corps n'a pas de vie. Dans l'histoire de la Genèse, où Dieu a fabriqué l'être humain à partir de l'argile, Adam, fait de terre, il a fallu qu'il souffle dans cette forme créée de l'argile pour qu'il y ait vie. C'est ce souffle-là qu'on appelle notre âme. Nous sommes avant tout une âme et le corps, la chair, ne sont que des véhicules. Notre corps n'est qu'un vêtement. Et notre corps ne doit pas nous contraindre à satisfaire uniquement ses besoins parce que notre véritable vie est celle de l'âme. C'est cette âme-là que nous appelons parcelle divine. C'est cette âme-là qu'on appelle dans d'autres traditions le Christ, le sacré. Et cette âme a l'obligation, pendant notre vie, de s'élever, de travailler sur elle-même pour être capable de s'élever. Les hindous vont parler de corriger son karma. Et c'est cette âme qui donne la vie à la matière. Les Égyptiens, dans les pyramides, on a découvert que lorsqu'on enfermait le corps dans le sarcophage, on mettait les lettres KRST dessus parce qu'on considérait qu'à partir de cet instant de mort, l'âme a quitté la matière et l'âme s'est élevée au rang christique, sacré. Notre vie, la vraie vie, est et doit être celle de l'âme. Quand on parle d'élévation, ce n'est pas élever notre corps, la matière, mais c'est élever l'énergie de vie à l'intérieur de nous pour qu'elle soit en conformité avec la divinité. Parce que, en intégrant notre matière, cette divinité vient un peu mourir dans la chair. La résurrection, on l'a vu dans un autre live aussi, c'est l'élévation de l'âme d'un corps qui est une mort pour elle. Le Christ en nous doit s'élever et c'est là le sacré. Dites-moi si je parle trop, si vous comprenez ce que je dis quand même, et si on n'est pas perdu entre le sujet politique tout à l'heure et le sujet un peu trop spirituel de l'élévation tout de suite. Mais ce que je veux qu'on comprenne dès le départ, c'est que la première forme d'élévation à laquelle nous sommes confrontés, que nous devons réaliser, c'est l'élévation de notre âme à l'intérieur de notre corps pendant que nous vivons, parce que ce travail va déterminer ce qui va se passer avec notre âme lorsqu'il y aura séparation de l'âme et du corps, c'est-à-dire l'âme hors du corps, la mort. La musique est devenue moment de respiration. Triste la vie, recherchée de l'humain. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Triste la vie, recherchée de l'humain. Oh Seigneur, soutiens
Cette chanson, justement, parce que la chanson dit « Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. » Il y a un exemple qui est porté sur le Christ. On va le voir plus loin. Quand je dis le Christ, je parle de Jésus-Christ. On va le voir plus loin. Comment est-ce que Jésus a pu manifester le désir d'élévation pour pouvoir en montrer l'exemple. Je ne... Je ne parle pas de Christ en tant que de Jésus-Christ en tant que religion, mais je parle de l'exemple qu'il a donné, en tout cas, qu'on a dit qu'il a donné dans les évangiles. Comment s'élever dans un corps qui vit? Un corps avec des besoins et des contraintes. La méthode pour pouvoir s'élever dans un corps qui vit est prônée par toutes les offres d'élévation existantes. Les religions en parlent. L'évangile en parle, le christianisme en parle. Les cercles initiatiques, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie en parlent. Et ont des centaines de règles là-dessus. Nos traditions vont encore plus loin que tous les cercles ésotériques, la religion. Parce que dans les traditions vaudou, vous pouvez invoquer l'âme. Le C, vous l'invoquez et le C vous donne des instructions directement. Les religions nous parlent de cette méthode qui nous permet de nous élever, de sortir de notre corps pour pouvoir nous élever. Les traditions maçonnique, rosicrucienne, en part. Et mieux encore, le vaudou va vous dire, vous avez la possibilité dans le vaudou d'invoquer le C, l'âme, et de lui demander ce qu'il faut faire. On commence toujours cette émission Apéro Conversation avec cette fameuse chanson de Bella Bello, Seigner, Trova, Seigner, Odeka, Wilinam, Seigner. Divana va faconam. Bella Bello dans la chanson invoque son âme pour que son âme lui dise quoi faire, pour apaiser sa trajectoire de vie, pour savoir ce que le C veut qu'elle fasse, pour que l'âme et sa vie puissent être en harmonie. Le C, c'est l'âme. On invoque le C pour lui poser la question. Nous parlons de la méthode d'élévation de l'âme dans un corps qui vit. Cette méthode, c'est la mort de la chair. Cette méthode, c'est la mort de la chair. Les religions chrétiennes vont vous demander de mourir dans la chair pour naître de nouveau. Pourquoi mourir dans la chair? Parce que, je vais vous lire le passage de Romains 8, verset 13. Il est dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. » Et Jésus va dire l'évangile, en tout cas, dans la bouche de Jésus, on va pouvoir écouter cette phrase qui dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. » Mourir dans la chair, pour faire vivre les désirs de son âme.
Jésus l'a montré par l'exemple dans son histoire. Il a vivifié son esprit. Il a exalté l'âme à l'intérieur de lui et l'a portée au-dessus de la chair. Dans le désert, il a été tenté par la faim. Il a tenu bon. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits et il eut faim. Et là, le tentateur arrive et lui dit, écoute, si tu te soumets à moi, c'est-à-dire que considérons le tentateur comme toutes les mauvaises choses qu'on peut faire dans la vie. Si tu te soumets à moi, ou si tu es si fort que ça, tu es capable de transformer ces cailloux-là en pain et manger. Il lui a dit non. L'homme ne se nourrit pas que de pain. Le tentateur le prend et lui a montré les royaumes et lui dit, si tu te soumets à moi, je te donnerai tout ça pour toi. Il a été tenté par l'orgueil, qui est aussi un désir de la chair, et il a tenu bon. Il a été tenté par le pouvoir ensuite, parce que le tentateur lui a dit, je soumettrai sous ton autorité tous ces royaumes, tout ça, si toi tu te soumets à moi. Et il a dit, arrière Satan, il a encore tenu bon. Ce qui lui a permis de dire ensuite, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans la requête du tentateur ou du diable, selon ce que vous voulez qu'on indique, on lui a dit de nourrir un corps qui est périssable. Le corps, de toutes les façons, va mourir. Que ce soit mourir de faim, ou mourir du coronavirus, ou mourir du cancer, ou mourir de sa belle mort, le corps va mourir. Mais l'âme ne meurt pas. Donc on s'en fout de nourrir le corps, puisque le corps n'est rien. C'est l'esprit qui vivifie la chair. C'est l'âme à l'intérieur de nous qui est la vie véritable. Donc le corps n'est qu'une enveloppe. Encore moins, le corps n'est qu'une enveloppe temporaire, parce que justement, l'âme peut s'en extirper à la mort et, selon certaines traditions, est capable de se réincarner. Donc, pour avoir, et quand on parle, je parlais de l'orgueil aussi parce que qu'est-ce que l'orgueil satisfait sinon une existence temporaire? Aujourd'hui, si je suis, je ne sais pas quoi, le roi du monde, c'est moi, né le 24 octobre 1980, qui va mourir, je ne sais pas quelle date, cette espèce de roi du monde. Mais après, quand mon âme va sortir de mon corps, qui a été nommé, qui est né, qui est mort, qui va être enterré malgré qu'on ait couvert de drapeaux ou fait je ne sais pas quelle espèce de funérailles, mon âme n'est plus intégrée. C'est cette existence courte et temporaire-là qui va vivre l'orgueil d'être le roi du monde. Tout ça pour vous dire que le pouvoir, l'orgueil, tout ce qui satisfait notre corps de vie présent est éphémère. Mais notre âme immortelle en nous va au-delà. Pour avoir tenu bon face aux tentatives de laisser les péchés d'orgueil, c'est-à-dire l'envie, la convoitise, le pouvoir, la faim, l'orgueil, pour avoir tenu bon face à ça, Jésus-Christ, dans son exemple, a pu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le chemin, comme la voie qu'il a montrée, vivre au-dessus de la chair, aimer son prochain, et c'est ça qu'on nous demande de faire. La vérité, parce que son enseignement, qui lui a été attribué d'ailleurs, mais l'enseignement débarrassé de toutes les interprétations, de tous les dogmes, toutes les histoires qui ne sont que des éléments de pouvoir, mais un enseignement véritable sur la façon de marcher dans la vie. Cet enseignement est une vérité. Et cet enseignement n'est pas l'apanage exclusif de Jésus chrétien. Cet enseignement est l'apanage de tous les maîtres de pensée qui ont existé de par le monde. Ce qui peut permettre donc aux hindous de dire Jésus n'est qu'une réincarnation ou une incarnation du dieu Vishnu, qui est le dieu de la parole et de l'enseignement. Jésus peut dire « Je suis la vie » justement parce que pour avoir privilégié les éléments qui exaltent son âme et non les éléments qui exaltent sa chair, il a montré
quelle est la véritable vie que nous devons mener. On va faire une pause musicale, hein, n'est-ce pas? On revient après. Vous êtes là? Mettez les cœurs et dites-moi si vous êtes là. Vous savez, on aime beaucoup cette chanson. On aime beaucoup cette chanson de Santinos qui dit, qui demande à Dieu de faire de lui quelqu'un parmi les autres. L'exaltation de la chair. Être quelqu'un parmi les autres pour prouver, j'aime bien la phrase, on est là, en chair et en esprit, pour prouver aux autres que Dieu existe. Normalement, c'est une prière qu'on devrait éviter de faire. Vous imaginez qu'on demande à Dieu, qui est esprit, qui est une énergie subtile, non d'exalter l'énergie subtile en nous, mais d'exalter notre corps pour que notre corps qui a un nom, et je parle de Santrinos, soit quelqu'un dans la vie. Soit quelqu'un dans la vie pour prouver que Dieu existe. Pour témoigner que Dieu existe. C'est-à-dire que Dieu n'existe pas déjà assez dans l'univers, dans tout ce qui nous entoure, dans le cycle des saisons, dans la capacité de la graine à devenir une plante, un arbre et tout ça. Mais on demande à Dieu d'exalter notre existence corporelle qui porte un nom pour prouver que Dieu existe. C'est une prière qu'on aime bien, une chanson qu'on aime beaucoup et je témoigne que j'aime beaucoup cette chanson, mais nous devons faire attention parce que là, on parle d'élévation. Et l'élévation part ou l'élévation commence par la mort de la chair. Lorsque nous serons capables de voir que l'énergie en nous, qui est éternelle, qui est christique, qui est divine, qui est subtile, qui est emprisonnée dans la chair, doit pouvoir s'élever de nos besoins de reconnaissance, de nos besoins de nourriture, de nos histoires de soif, de nos histoires d'assouvissement de désir, de tout ce que la chair peut exiger de nous. Quand on va comprendre que ce qui est le plus important, c'est d'être une âme exaltée, une âme élevée, là, nos prières vont changer. Et l'Évangile en parle. Parce que l'Évangile, va vous mettre en opposition à un mendiant qui est Lazare, mais qui est au paradis, face à un riche que Dieu a béni dans la vie, par qui Dieu a montré, selon Santrinos, qu'il existe, que Dieu lui a donné tout, lui va en enfer. Et Jésus de dire, il est plus facile à un chameau de rentrer par le chat d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Un mendiant qui est assis au carrefour toute l'année, toute la vie, à quémander, qui n'a pas envie d'acheter la dernière Range Rover ou la Mercedes, qui ne porte pas des bijoux en or, une montre, je ne sais pas quoi, qui ne boit pas de single malt ou qui ne fume pas de cigare, qui ne couche pas avec les plus jolies filles de la terre, ce mendiant qui est dans ce coin-là, c'est lui qui va au paradis. Celui qui a eu tout, il va en enfer.
Et il se pose la question de comment. Et c'est au mendiant, justement, dans l'au-delà, qu'il demande de lui donner ne serait-ce qu'une goutte d'eau pour qu'il puisse étancher sa soif. L'Évangile nous montre à suffisance que l'exaltation de l'âme est plus importante que l'exaltation du corps. Et pire, l'exaltation de la petite vie du corps. Parce que si l'âme est éternelle, nous ne vivons pas quoi ? 70 ans ? 80, 90, maximum 100, 105, 120. Mais après, le corps meurt de toutes les façons. L'âme reste. Avons-nous travaillé à élever notre âme? Et pour ce faire, pour élever notre âme, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mourir dans la chair. Le jeûne, mes chers amis, dans toutes les religions, on parle du jeûne. Le vaudou en parle. L'islam le fait, le ramadan. Le christianisme le fait, le carême. L'hindouisme en parle. Et même les cercles ésotériques vous demandent de jeûner. Pourquoi? Parce que c'est un excellent exercice sur la chair. En privant la chair de ses besoins essentiels, comme manger et boire. En privant la chair de son besoin de manger, de boire, ça nous permet de discipliner le corps. Ce matin, je parlais avec Ali Jays et je lui expliquais que je me suis promis qu'à 50 ans, si la vie m'est favorable, je vais passer du véganisme, parce que je suis végane pour ceux qui ne le savent pas, je ne mange pas de viande, pas d'œufs, pas de ci, de ça. Je vais passer au respirianisme, c'est-à-dire je ne vais vivre que de soleil et d'eau. Et il me dit comment est-ce possible, blablabla, et tout ça, je lui explique, mais est-ce que tu sais que les animaux ne mangent pas tout le temps? Je donne l'exemple d'un félin, d'un lion. Le lion va attraper une proie, va manger, peut-être dans 2 semaines encore, il va aller chasser. Il ne chasse pas tous les jours. Pourtant, nous mangeons 3 fois par jour. En mangeant 3 fois par jour, nous empêchons sans le savoir notre corps de développer sa propre capacité de résistance. Nous empêchons le corps de s'exercer pour aller chercher ses protéines, de fabriquer ses protéines. Le corps a besoin de vitamine D, mais il faut s'asseoir au soleil pour avoir cette vitamine. Est-ce que vous savez combien d'autres espèces d'éléments importants au corps nous sommes capables de développer, de construire par nous-mêmes? Beaucoup. Nous ne sommes pas obligés de manger 3 fois par jour. Pourtant, une certaine façon d'exaltation du corps nous a obligés au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Les Québécois vont parler de déjeuner, de dîner, de souper, peu importe, mais on mange quand même 3 fois par jour et c'est trop. Je ne parle pas des lunchs à 10 heures ni des goûters à 16 heures. Nous fatiguons notre propre corps en lui donnant des choses et nous l'empêchons même de fonctionner librement. Mais quand on jeûne, on est capable de discipliner notre corps. On ne meurt pas quand on jeûne. On peut faire 40 jours, 40 nuits sans manger et boire. On ne meurt pas. On ne manque pas de vitamines. On ne manque de rien. Le corps, qui est un organisme beaucoup plus intelligent, va aller chercher ses ressources là où elles se trouvent, dans le soleil, dans la nature, dans l'air, va organiser son propre maintien. Mais nous sommes obnubilés par l'idée qu'il faut absolument manger plusieurs fois par jour. Le jeûne va donc permettre de discipliner le corps parce que le corps a besoin d'eau, on ne lui donnera pas d'eau. Le corps pense avoir besoin de manger, on a mal au ventre, on a faim, mais on tient fort. Et à un moment donné, on oublie même qu'on a besoin de manger. Quand on fait le jeûne sec, le premier jour est difficile, le deuxième ça va. À partir du troisième jour, ça devient quelque chose de fonctionnel, de rapide à faire. Essayez ensuite le jeûne de la parole pour apprécier le silence. Essayez le jeûne de la sexualité pour éviter ce que j'appelle la fornication véritable, c'est-à-dire cette sexualité vulgaire qui n'est qu'un exercice de deux corps. Parce que les 3 objectifs de la sexualité, c'est la célébration de l'amour,
c'est la procréation et c'est la spiritualité. C'est l'union de l'homme et de la femme pour constituer le Dieu véritable. En dehors de ça, tout le reste n'est que fornication. Parce que c'est vil, c'est vulgaire et ça ne sert à rien. Ça n'exalte rien de plus élevé que la chair. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui vont fonctionner comme des gymnastes dans le lit. Et donc, le jeûne de la sexualité va nous éviter la fornication qui n'est que sexualité vulgaire. Le jeûne de l'alcool qui alterne nos décisions. Là, moi, je n'arrête pas de... C'est moi, juste mon dernier verre. Hein. Mais le jeûne de l'alcool va nous permettre de garder l'esprit alerte parce que si on boit et si on boit trop, notre décision, notre esprit est altéré et nous pouvons faire des choses que nous aurions pu éviter de faire. Les retraites, le recueillement, vont augmenter la méditation pour aller à la rencontre de nous-mêmes. Quand on va se recueillir, quand on va se retirer dans des endroits où il n'y a pas de notification, il n'y a pas d'appel téléphonique, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, on va pouvoir se retrouver avec soi-même et dans le silence, apprécier sa propre présence. Nos sociétés actuelles nous donnent trop de moyens, trop d'éléments pour nous fuir nous-mêmes. Il y a plein de gens qui ne sont même pas capables de se regarder dans le miroir parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver avec eux-mêmes. Il y a trop de gens qui ne sont pas capables de se regarder eux-mêmes dans le miroir pour se découvrir eux-mêmes. Ils n'aiment pas le silence pour s'écouter. Ils n'aiment pas la paix, la méditation pour se poser les bonnes questions et se dire eux-mêmes les vérités. Trop de gens vivent comme ça. Et nous avons des notifications. Et nous avons ci, nous avons ça. Aujourd'hui, quand on se réveille le matin, on ne médite plus sur le fait d'avoir passé une nuit. On ne veut plus se rappeler de nos rêves pour savoir c'est quoi le message. On prend le téléphone, on check les notifications, on veut savoir qui a écrit, qui a posté un statut, qu'est-ce qui a été dit ici, qu'est-ce qui a été dit là. Quand on n'allume pas la télé pour soi-disant écouter les nouvelles, on ne prend plus le temps pour nous écouter nous-mêmes. Les cercles initiatiques enseignent l'humilité, la charité et l'ordre. C'est l'humilité qui guérit l'orgueil. En vous apprenant, l'humilité, on guérit l'orgueil. La charité guérit la convoitise en pensant que l'autre a besoin de quelque chose et que dans l'ordre dans lequel on est ou auquel on appartient, on exige de nous la charité, on apprend à se dessaisir du superflu. Or, la convoitise nous enseigne d'accaparer, d'avoir un peu plus. Les gens vont avoir Range Rover 2017, ils veulent acheter la 2018. Or, c'est le même moteur, on a juste changé quelques rondeurs. C'est la convoitise. Et l'ordre des cercles initiatiques guérit la précipitation et impose la rigueur. C'est étape par étape, degré après degré, que les ordres initiatiques vont amener l'initié progressivement à s'élever. Quand vous arrivez, ils vont vous dire, et le terme est bien choisi pour la franc-maçonnerie par exemple, ils vont vous dire, vous êtes un apprenti. Tu peux être le juge suprême de la cour suprême de je ne sais pas quoi. Quand tu rentres dans l'ordre franc-maçonnerie, on te dit, mon frère, tu es un apprenti. Calme-toi. Et là, tu laisses dehors tout ton orgueil de juge suprême de la cour des États-Unis, de Mexique, je ne sais pas quoi, et tu t'assois comme un apprenti. Et c'est progressivement maintenant que tu vas acquérir les étapes pour t'élever. Et pendant ce temps, on va t'aider à travailler qui tu es. Le vaudou va invoquer le C pour savoir marcher. Le Fa va organiser votre vie entre interdiction et recommandation. Et l'âme éternelle est capable, selon le vaudou, de dire ce pourquoi elle s'est incarnée. Et donc, il faut écouter son âme pour savoir marcher et s'élever. Quand le vaudou invoque le C, le vaudou
cherche à savoir pourquoi l'âme s'est incarnée. Elle vient d'où? Quel travail doit faire celui-ci dans cette vie, dans cette existence éphémère? Parce que l'âme est éternelle. Et vous savez que la chair est faite d'argile, de terre. C'est pour ça qu'on enterre le corps lorsque l'âme est hors du corps et que le corps reste inamovible, immobile, sans vie, on va retourner la terre à la terre. Or, la terre exerce une énergie, une attraction. Une attraction, c'est comme une énergie. Vous connaissez l'attraction terrestre qui va toujours vous attirer vers le bas. L'âme n'est pas sujette à l'attraction terrestre. Et donc, dans la chair, il faut qu'on travaille à élever notre âme au-dessus des besoins de la chair. Dans la chair, cette énergie subtile qui fait vivre ce morceau de terre, c'est ça notre âme. Donc nous devons travailler à élever notre âme sans la pression des besoins de la chair. Remarquez que quand vous rêvez, surtout quand pour des gens qui prient beaucoup, qui sont subtilement, en tout cas d'une manière ou d'une autre, travaillent beaucoup leur âme, quand vous rêvez, vous volez dans les airs. Vous rêvez que vous volez, vous passez d'un continent à l'autre, vous passez du passé au futur, vous êtes tout le temps en train de faire des choses que vous n'êtes pas capable de faire lorsque vous êtes conscient debout. Parce que lorsque vous dormez, c'est une petite mort. Le corps arrête d'exercer ses besoins et sa pression sur l'âme, et l'âme va partir dans le rêve pour faire ce qu'elle fait d'habitude, c'est-à-dire être subtile, s'élever, éternel, aller dans le passé, aller dans le futur. Et encore mieux, entrer en relation avec des gens qui sont véritablement morts. C'est-à-dire des gens dont l'âme a quitté leur corps. Dans le rêve, l'âme va partir à la rencontre de ces gens et parler avec ces gens. L'élévation, c'est vivre au-dessus du corps. Alors, comment écouter maintenant son âme sans aller ni en religion, c'est-à-dire peut-être que pour des gens, je suis le chemin, la vérité et la vie, ça ne fonctionne pas. Je ne veux pas croire à un Jésus qu'on m'a imposé. Je ne veux pas croire à un Jésus qu'on m'a présenté comme étant un blanc, moi je suis noir, moi je suis ci, ou je suis athée ou quoi que ce soit.
Je n'ai pas envie de rentrer dans un cercle ésotérique. La franc-maçonnerie, on m'a dit qu'ils font ci, qu'ils font ça. C'est trop compliqué, je ne veux pas aller là-bas. Et je n'ai pas envie d'aller consulter un C dans le vaudou ou quoi que ce soit parce que je n'y crois pas. La personne peut me mentir ci ou ça. Mais je veux écouter mon âme et m'élever sans forcément ces cercles, ces contraintes qui existent. Vous savez, les méthodes de mort de la chair sont éprouvées. L'âme nous parle. Il faut écouter. Ce que nous appelons réflexion, c'est-à-dire flexion sur nous-mêmes, quand nous prenons un sujet que nous discutons dans notre tête pour savoir est-ce que si, est-ce que ça. Ah, on m'avait dit ceci, j'avais déjà lu ça, j'avais déjà écouté ceci une fois. Ce débat dans nos têtes est une interaction avec notre âme. Il faut écouter nos réflexions, nos pensées accouchent de quelque chose. Il faut prêter l'oreille. Les intuitions sont des messages. Les coïncidences, les lectures, révélations sur lesquelles on tombe par hasard, soi-disant. Et l'on dit très bien que le hasard est l'autre nom de Dieu lorsqu'il veut passer inaperçu. Des fois, on se pose certaines questions, on réfléchit à quelque chose, paf, on tombe sur un message, on tombe sur un visuel, on tombe par hasard sur une lecture. Et ça nous édifie, ça nous apporte la réponse qu'on attend. Et nous pensons que c'est le hasard, non. Le hasard n'existe pas. Il n'y a que des coïncidences, il n'y a que des rendez-vous. Il faut prêter attention aux intuitions et aux coïncidences. La méditation, la pratique du silence et de l'écoute, c'est très important parce que dans le silence et dans le calme, nous allons pouvoir être attentifs à ce que notre âme veut nous dire. La voix de l'esprit augmente à mesure que l'on prête attention. Si l'on veut écouter, il faut prêter attention. Et quand on prête attention, on arrive à distinguer ce qui est faux de ce qui est vrai. Vous avez, comme dans les dessins animés, ou surtout dans Tintin, ils utilisent beaucoup le concept, à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, il y a de petits dessins, il y a un ange qui dit « ne fais pas ça parce que ce n'est pas bon ». Et l'autre, le petit diable qui dit « vas-y, fais-le, le maintenant, ça parle comme un vrai diable ». C'est exactement ce qui se passe dans nos têtes. On veut faire une réaction et il y a une voix qui nous dit « laisse tomber, Lovejoy, ce n'est pas la peine, tu n'as pas besoin de faire ça ». Et il y a une autre voix qui te dit « quoi, Lovejoy, tu vas laisser faire ça? Tu vas lui permettre de te parler comme ça? Toi, le grand quelqu'un de je ne sais pas quoi ?» Cette voix-là, il faut lui couper le micro. Parce que ce que vous appelez Lovejoy ou votre prénom, peu importe, comme je l'ai dit, il naît une date, il va mourir une date, il est éphémère. Ce qui fait animer le corps de Lovejoy est éternel. L'âme de Lovejoy est éternelle. Et aujourd'hui, il s'appelle Lovejoy parce qu'il est né, il s'est incarné le 24 octobre 1980. Il va se désincarner, je ne sais pas quelle date. À ce moment-là, il ne s'appellera plus Lovejoy, il va peut-être se réincarner ailleurs. Et cette voix de cette entité, ce corps subtil-là, est plus importante que ce que le Lovejoy veut faire dans cette vie éphémère qu'il est en train de traverser. Et c'est avec le jeûne qu'on est capable de faire taire les besoins et la voix du corps pour écouter la voix de l'âme. Il faut faire des lectures appropriées, il faut aller chercher. Il faut aller chercher les exemples, les expériences des autres, des gens qui ont été considérés comme des maîtres à leur époque. C'est en cela que l'Évangile est bourré d'enseignements. C'est en cela que l'histoire de Rama dans le Ramayana est bourrée d'enseignements. Rama est né prince, mais il a dû traverser les forêts, souffrir la faim, souffrir la contestation, se battre contre des démons pour revenir dans sa gloire. Toutes ces histoires-là sont empreintes d'enseignements. Moïse était prince dans le palais de Pharaon.
Il aurait pu être là et vivre comme un prince, avoir tout ce qu'il voulait. Il est parti après avoir rejeté l'injustice. Rejeté l'injustice, il est parti dans le désert où il est devenu simple berger. Il bossait pour son beau-père. Il n'était rien. Et dans le désert, il a rencontré Dieu. Et Dieu lui a dit, « Je ferai de toi un guide pour les hommes. » Et il est retourné, il a travaillé. Ces expériences nous édifient. Ces expériences nous font comprendre combien il est important quand nos âmes sont incarnées dans nos corps périssables, qu'il est important d'écouter l'âme pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans cette période-là. J'ai vu une question passer. Est-ce qu'il faut la crémation ou l'enterrement? Moi, je conseillerais l'enterrement. Parce que la crémation, c'est réduire le corps en cendres. Est-ce que la terre qui a besoin de recycler veut un corps qui a déjà été recyclé par l'effet du feu? Je crois que non. Parce que dans le corps qui retourne à la terre, il y a encore des nutriments qui font nourrir les vers, qui font nourrir d'autres êtres vivants qui ont besoin de ça pour se recycler. Mais la crémation détruit la vie ou détruit les nutriments qu'il y a dans le corps. L'âme s'est séparée, mais tout ce que nous avons comme chair et tout ça, ça peut nourrir d'autres êtres vivants. La terre même est capable de faire ce recyclage-là et ce n'est pas le feu qui va faire ça. Et donc, moi, je conseille plus l'enterrement que la crémation. Mais avant l'enterrement, et ça, je l'ai dit plusieurs fois, les ongles et les cheveux retournent dans le cercle familial pour que nos descendants puissent continuer à nous invoquer parce que dans les ongles et les cheveux, il y a l'ADN qui est une trace de notre passage. Et c'est ainsi que nous serons capables d'entrer en interaction avec nos descendants pour les aider. C'est ainsi que nos descendants vont pouvoir rêver de nous pour dire « Ah, j'ai rêvé de mon grand-père, de ma grand-mère, de ma tante, de ma fille, de ça » et qui m'a dit « Fais comme ceci ». Dans le rêve, parce que le corps est mort, nos âmes que nous avons travaillées sont capables de rentrer en connexion avec ceux qui sont déjà passés dans cette vie. L'évolution, l'élévation, je parle d'évolution parce que oui, quand on arrive à élever notre âme, on évolue véritablement. Mais l'élévation d'une âme dans un corps qui vit en ce moment, ce n'est que ça qui va faciliter l'élévation de l'âme dans le corps qui va véritablement mourir. Si nous travaillons notre âme, nous le chargeons de bon karma, nous le chargeons de bonnes énergies, de bonnes vibrations. Quand elle va se séparer de notre corps, elle aura activé quelque chose qui lui permettra, dans une prochaine existence, peut-être, de pouvoir vivre différemment. Tout ce que nous vivons dans notre chair aujourd'hui ne sont pas des choses plus importantes que ce que nous devons vivre dans notre âme. La charité, l'amour, l'humilité sont des valeurs qui sont importantes dans nos vies parce que ça exalte notre âme. Vous pouvez choisir d'aller dans des cercles ésotériques, d'aller consulter votre âme dans le vaudou ou dans quoi que ce soit. Et ensuite, vous allez être capable de pouvoir vous élever. Parce que la voie de l'élévation, c'est la mort de la chair, l'exaltation de l'âme. Il n'y a plus de place pour enterrement. Il n'y a plus de place pour l'enterrement, pas parce qu'on n'est pas capable d'enterrer des gens, mais c'est juste parce qu'on considère que lorsqu'on a enterré quelqu'un, ce petit bout de terre lui appartient, c'est son domicile, c'est ci. Il n'y a plus rien, il n'y a qu'un os, il n'y a rien. L'âme est ailleurs, l'âme s'est élevée, l'âme circule, l'âme va aller faire ses affaires, va se réincarner peut-être. Parce qu'on dit que des grands-pères, des aïeuls peuvent se réincarner.
Mais parce qu'on considère que ah, tiens, ce territoire en intérêt, Toby, je ne sais pas qui là-bas, ça lui appartient, ça reste à lui pour la vie. C'est pour ça qu'on estime qu'on n'a plus de place pour enterrer les gens. La crémation tue. La crémation tue le corps. Et le corps n'est pas capable de retourner ce qu'il est à la terre. Et moi, je trouve que c'est important que le corps puisse retourner tranquillement dans la terre et que la terre, avec les autres êtres vivants, les vers, les je ne sais pas quoi, les fourmis, puissent venir chercher de la substance de vie plutôt que d'être une espèce de poudre, une espèce de cendre. Une fois, j'étais en train de réfléchir sur le dépotoir et je dis que les déchets que nous jetons deviennent des engrais pour nos champs. Vous savez que nous mangeons et ce sont nos excréments qui sont utilisés comme engrais dans nos champs pour nous permettre d'avoir encore des produits du champ pour manger. Donc, il y a toujours un recyclage que la terre fait. Et ça, c'est important. Donc, voilà. Pour répondre à Fabrice qui m'a posé la question, quelles sont les voies de l'élévation? Il y en a deux. L'élévation d'une âme dans un corps qui vit et l'élévation d'une âme dans un corps qui vient de mourir. La première élévation va induire la seconde, va déterminer la seconde. Il est important de travailler sur notre âme en exerçant le jeûne, la méditation, le retour sur soi, l'écoute pour entendre nos intuitions, nos pensées, pour entendre les entités spirituelles nous parler. Mais quand on va être pris dans les bruits ambiants, le bruit de la vie, on n'écoutera rien. Et c'est ça qui nous détruit le plus et qui nous empêche de nous élever. Donc, mes chers amis, on va finir avec cette chanson. On a parlé 2h06 aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup, Bella Lambasopagi. Merci, Nana Pauline. Bonne nuit. Merci, Kwaku.
Y'a pas de que nous l'avons. Et n'en a rien à tata. Comment on va? Y'a pas de que nous l'avons. Et n'en a rien à tata. Merci beaucoup. Merci Florence. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve samedi prochain. On va trouver un thème d'ici là. Si vous avez des idées, écrivez-moi inbox. Je vais essayer de travailler ça samedi prochain pour pouvoir vous le présenter samedi à 17h. Le rendez-vous d'Apéro Conversation, c'est tous les samedis sur la page Facebook à partir de 17h. Merci de soutenir l'initiative de partager cette vidéo parce que, oui, effectivement, la connaissance, c'est imbarbable. C'est ensemble que nous essayons de l'envisager complètement. Donc, merci pour le passage d'aujourd'hui. Merci pour ceux qui sont habitués. Merci pour les nouveaux qui s'abonnent. Merci de partager. On garde le contact. À samedi.